Casado, warning. I'm pit now. I'm pit now. Timiteur, pense-y. Ah, il me reste un tour, moi. Allez. Le changement. Il me reste toujours un tour aussi, c'est pas grave. Vaut mieux le laisser là que de le laisser. 87 qu'on tourne, c'est très 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 bon. On va pouvoir, je pense, au moins gagner un arrêt. Ok. Et t'as pas de petite réparation, donc... Très 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 bon. Wow. Beau split. Très beau split. Merci. Merci. Allez, Max. Comme le premier relais, sois bien concentré et ça va le faire. Je te remets tout de suite le plein et tout, comme ça t'as pas à t'en occuper. Et je vous laisse. On change les pneus ou pas? Ah, attends, ils vont le faire après, là il finit l'essence. Parce qu'il fait pit service time, donc... Voilà, le plein est fait. Dès que tu sors des stands, je te fais tout pour l'arrêt au prochain arrêt, t'auras rien à faire. Et après je te laisse avec Andy. Ça va, merci Rick. Les filles sont repassées par chez moi. Ah ok, d'accord. Ok. Je vous laisse à peu près 10 minutes, tu reviens. Ouais. Bon, tu veux y aller. Ah, tu veux y aller, Emric? Moi je vais devoir bouger, mais tu peux y aller, Max. Alors. Ouais. Du coup, je vous écoutais, j'ai pas accès. Emric, tu veux y aller? Je peux y aller? Moi je vais devoir bouger, mais si tu veux. Pour 2 minutes, toi. Ah bah vas-y, alors. Pour 2 secondes, je crois. Vas-y, je relance le JRT, moi. Allez, il y a 52-4 en France, allez. Ouais, nickel. Ok, mon JRT refonctionne. Gens qui demandent, je pensais qu'elle allait avoir un live. Ouais. Quand si tu le fais dans mon dernier speed, me ne dis pas. On reste comme ça. Ah non. Ouais, je préfère te le dire si tu veux. C'est le consentement en ce moment, c'est un sujet délicat. Thanks, Anthony.
à abandon des Red Face. Non. Casse moteur. Non, sérieux? Ouais, à la droite. Un instant. Ligne droite après. Casser comme ça? Bah apparemment. J'ai vu qu'ils avaient déjà des dégâts. Mais... Oh, ça fait chier pour... Tout le monde après. Bah ouais. J'ai vu qu'au RC, tout le monde, il y avait Eric qui était aussi sur le live de partage. Et c'est vrai que c'était aussi fait shooter par un mec qui était deux fois la charge. Oh, et eux, ils étaient en foutre. Hein, accepte, c'est notre niveau, mais nous on s'amuse. Voilà. Souviens dans les commentaires, vous n'êtes pas content, vous êtes des merdes, vous êtes vous. Son avis, on s'en bat les couilles, nous on s'amuse, on fait plaisir, ça nous fait plaisir à la majorité d'entre vous. Donc, voilà. C'est un petit message que je voulais passer après avoir écrit un peu sur Twitter après mon premier volet. Ah bon? Donc, vous voyez qu'il y a des équipes comme les Vétissaires, etc., qui sont dans les volets des splits un peu plus bas. Voilà. On n'a jamais dit qu'on était les meilleurs, on n'a jamais prétendu l'être. Si on fait un top 10, on va être content comme des gamins de 5 ans. On est loin de l'avoir fait, mais on s'en fiche. On sait qu'il y a meilleur que nous et qu'il y a pire. Nous, on veut s'amuser. C'est peut-être pas l'esprit pilote, c'est peut-être pas l'esprit du sport. Mais on essaie de faire ça bien, en équipe. Et voilà. C'est le sentiment qu'on a trouvé chez des gens comme les Red Face, par exemple. C'est le but d'avant tout être... sympa et propre avant d'être performant, mais on luxe d'être performant en plus, donc voilà, pour beaucoup de choses, mais on n'a pas cette prétention. Moi, si on le paraît, c'est que nous on fait. On passe pas notre temps à nous gargariser parce qu'on est en tête 2, c'est des merdes, parce qu'ils ont tel ou tel contenu, tel ou tel split. Tout le monde le fait, on était quasiment 1000 à participer à cette vidéo. Amusez-vous, foutez-vous de la vie des gens. De toute façon, on ne vous vendra pas après. C'est pas là pour vous. Vous jugez quand vous serez mort. Je sais pas ce que t'en penses. Le petit moment de philosophie, là, il est, je sais pas, 19h30, à peu près. 19h6. Qui est derrière nous au classement, il n'y en a qu'une. Okay. Et elle est à 10 secondes derrière, il y a le revers. Attends, il n'y en a qu'une derrière. Non, je veux dire, il y a, dans le même tour que nous, il n'y en a qu'une seule. Tout le reste, c'est moins 3 tours et nous, on a un tour de retard seulement sur le leader. Autre. Ah, nickel. Si tu veux manger, Mike. Ouais. Putain, j'entends la fin. Avant de mettre face, on va. Celui-là a l'air d'avoir une discussion bien animée. Oui, effectivement. Je vais parler un petit peu de fait. Peu importe le speed, ça peut être. Ah, bien sûr. Et je disais, ouais, info, les Red Face à un moment donné, du coup, il a casse moteur. Je suis dégoûté. Bon, allez, je vous laisse, à tantôt. Allez, bon appétit. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est dans le split de notre niveau, entre guillemets, donc... Ouais, voilà, on s'est fait. On n'a toujours pas changé de place depuis à peu près 2 heures, on est toujours à cette place, très bien. Le relais se passe bien.
bon, c'est cool. Le setup est très bon. Mais... Calme-toi, y a pas de rush, y a une voiture derrière toi, mais rien de méchant. Très tranquille. Tu as une endurance, sois propre. Quelque chose qui va pas dans les pneus, c'est bizarre. Ah ouais, les 90 litres. Déjà ? Vache ! En fait, t'as suivi, hein, entre 99 et 90, et 79 et 70, je sens plus du tout la voiture. Ouais, bien sûr, j'ai compris ça, t'inquiète pas. Encore une fois, reste bien concentré. Culé, il vient de commencer à couper dans le pare-brise. J'ai entendu ping. Ping, ouais, exactement. Reste bien concentré, reste focus. Les pneus montrent en température tranquillement. Ouais, ça arrive. Tu auras une voiture qui va sortir des box. Derrière la voiture était un peu plus de 2 secondes. C'est le 17ème chez le Pas de rush pour le dépasser, fais attention. Je le laisse. Clear. Thanks. J'ai pas osé. Non mais tu avais raison d'attendre. J'ai pas osé une fois, j'ai fini en sandwich. C'est pas pour 2-3 secondes de perdu sur l'endurance de... Non.
Attention, ça se rapproche derrière. Chose au freinage, au virage. Allez, c'est un bon début de relais, c'est bien. T'es très tranquille là, très tranquille. Celui devant toi a l'air d'avoir un pace à peu près le même que le tien, donc c'est bon. Ouais, j'ai regardé dessus. C'est un bon lien. C'est un détour en 2-7-8, très bon. Fais attention, ils vont sûrement vouloir repartir vite sur la Ferrari. Bouge pas, c'est bien. Roule. Parfait, tu peux rouler, tranquille.
retard pour repartir, ils sont pas derrière toi. T'as une voiture à peu près 3 secondes. C'était des gens de tête, t'as pas vu? J'ai pas pu voir plus. On a pas changé de position, donc je pense pas. La Ferrari, je pense que c'est celle avec qui on la verte. Il y a une verte et blanche, je suis pas sûr que c'est la même. Tour en 294. J'ai perdu du temps, j'ai ralenti la chicane. Ouais, bien sûr. Concentrer, t'es bien. J'ai fait un peu plus tard. T'es concentré dans tes tours, le dernier tour en 2-7-9, très bon, très très bon. Mansland qui a permis de pouvoir faire bon tour.
Alors pour info, ma pizza chauffe, vous avez l'encouragement de Partail et tout ça. Hein. Allez, c'est oui, bien. Tout le monde est derrière. Allez, à tantôt, je vais manger. Voilà. Dans ce No Man's Land, c'est très très bon, tu peux faire de bons tours. Ton dernier tour était en 2-7-7. Ce tour-ci en 2-7-8, très bon. La fumée devant. Il y a une voiture qui est bloquée. Ah c'est bon, elle est sortie, tu peux y aller. Ah j'étais en plein dans les pages, je me dis dis-moi gauche ou droite, mais dis-moi quelque chose. Je t'aurais dit gauche. Il y a une voiture qui fume beaucoup devant. Normalement ? Ouais. Il va sûrement rentrer au stand. J'ai bien pour... Deux voitures devant. Ça rentre au box pour la voiture qui fume. T'as une voiture devant encore, t'as deux voitures devant. Toujours P7. Très bon, très très bon. Fais attention. Dépasse pas trop vite. T'es tranquille derrière. À peu près 3 secondes de clear sur la voiture derrière. Bien joué. Thanks. Allez, ton dernier tour est en 2-7-4. Très très bon. Malgré le fait que tu es relâché, très bien.
50, hein. T'as tous les impairs jusqu'à 50 litres, je me fais niquer, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est trop grande balance, je m'adapte pas à la balance de la voiture pour descendre sur le plan, je crois que c'est pas très grave. En fait, chaque fois, je me dis, comment ça glisser, je regarde, je vois 50 litres. Yeah. Allez, 138e tour. Encore en No Man's Land, c'est vraiment le moment pour attaquer, reste bien concentré. La bagnole arrête devant moi, t'en fais quoi? La bagnole arrête devant toi, ah, je sais pas de... Ah, y'a plus devant avec la Mercedes qui est très très loin. Ah oui, mais il est loin. Et là, il est à 2 secondes, t'es sérieux? À 4-5 secondes devant toi. La cinquième heure de course.
Thank you. Ouais, pour l'instant ça va, il te reprend une petite seconde par tour, mais c'est très très bon encore. Savoir que les 6 qui sont devant toi ont tous des dégâts, donc on doit être la voiture qui a le moins de dégâts de tout le temps. I think. Un super tour, 2-6-8, très très bon tour, très très bon tour. Attention, on va y avoir du monde à la sortie des box. T'auras au moins une voiture. T'auras une voiture, là, l'autre est derrière. Les P6. On va prendre le temps pour la dépasser cette voiture là. Même si on perd une position, c'est pas très grave. Pour info, la voiture qui est maintenant 7ème. Attention. La voiture qui est maintenant 7ème a beaucoup de dégâts. La voiture est explosée. Donc la 6ème place est à peu près assurée. C'est pas ça. Oui voilà, un petit peu. La P5 est derrière toi. Un peu plus de 2 secondes, ils attaquaient la ligne droite quand tu l'as arrêté.
personne derrière très proche, tu peux te concentrer sur ce qui se passe devant. Alors pour tout avouer, j'ai une tâche à mi-hauteur de ma vue dans le pare-brise, elle est insupportable à la montée. C'est peut-être con, mais je vois que ça. Ah oui, comme ça je la vois pas moi. Ah, je suis juste à mi-hauteur de ma vue là. T'inquiète. Attention, il y a une voiture qui fume beaucoup devant toi. Loin ? Non, pas très loin, pas très loin du tout. Attention, je crois qu'il... Il sert à gauche. Tranquille. S'arrête. Oh, j'ai une slip quand tu m'as parlé. Je sais pas si t'as vu, je me suis quasiment arrêté. Ouais, j'ai vu, mais j'étais obligé de te le dire tout de suite. Ah, mais t'as bien fait. S'il y en a un qui arrive derrière, il me détruit l'arrière. Est-ce que tu dis loin? Non. Ah! Non mais t'as bien fait, nickel. Par contre, je sais pas qui c'est. Dans les blue flags, il y a le deuxième derrière. J'aimerais bien voir qui a abandonné, c'est une Mercedes, mais... C'est pas pour nous, c'est loin dans le classement. Okay. C'est des gâteaux, on est même pas avec toi. Il y a déjà beaucoup d'abandon. Il en reste encore moins maintenant. C'était le 21ème. Ouais. Allez, tes voitures à une petite seconde derrière toi. C'est le deuxième. Devant, t'as pas grand monde. Tu peux te concentrer sur ce qui se passe derrière. Il va dépasser. Clear. Alors, je veux dire une connerie, mais quand tu parles, essaie de parler doucement. Parce que comme t'as crié, j'ai regardé un peu, j'en avais vu quelque chose. Ok, désolé. C'est peut-être un peu plus. T'as crié. Clear. J'ai fait wow. Pardon. On a SMR non plus. Marche. Merci. Parce qu'en fait t'as sorti le tir au moment où j'ai touché les freins, j'ai fait j'ai commencé à regarder les rétros, le dashboard partout en me disant où est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal. Ah, je suis de retour. Il y a Adonage qui vous motive, il y a les V10 qui nous motivent, il y a Partaï, il y a Geoffrey, enfin il y a plein de monde. Sur Twitter c'est ouf. Je crois qu'il y a plus de monde en fait. Ah bah c'est... Attends, je crois qu'il est 37ème si tu fais de bêtises. Je pense. Bon,
Ouais, bien. On a rien fait, hein, c'est lui qui a tapé. Ouais. Je vois le seul. Maintenant, il y a un seul mec dans notre tour. Ah non, si. À part une frayeur du Ferrari en tête avec la chicane. Ouais, ok. Logistique correct, Andy a été nickel. À part, il y a 5 secondes, il m'a fait un clear. Ouais, j'étais là, j'ai pas parlé comme t'étais avant la montagne. Et le cinquième est derrière toi. Ouais, ouais. Parfait. Keep cool, hein. Cruise. Ouais, ouais. Laissez passer leader, un petit OK, merci. Pas de problème. On va mettre arrivé à la ligne de temps. Trois quarts d'heure. Pas de gros bêtes. Je pense. Oui, tous les leaders ont cartonné. Oui. C'est fait, c'est déjà fait. Tout est fait. Avant que je parte manger, j'étais. Donc je dois pas mettre ni les pneus. Rien. J'ai pas réussi à manger toute ma pizza, j'avais la boule au ventre. Ah ouais, ouais. Ah, l'endurance, c'est mon dada, c'est ma passion. Ouais. D'ailleurs, je tiens à remercier que ce sera rediffusé à tous ceux qui nous soutiennent. Franchement, ça fait super plaisir de voir tout ça. Et désolé de pas avoir live. Ouais, non. J'ai dit avec la connexion qui est bof déjà sur le serveur, on va pas prendre de risques. Ne vous inquiétez pas, je peux faire une vidéo terme avec un petit montage. Vous allez être ça. Je pense que vous allez être un peu fatigué pour la vidéo. Mais vraiment, ouais, merci au Red Face, au V10, enfin, il y a tout le monde qui est venu. ORC qui est passé aussi. ORC. Non, non, franchement, c'est... Ça prouve la solidarité entre Simracers, c'est beau. C'est ce qu'il faut. J'ai fait mon link. Ouais. Pendant le... Ouais. Pété. Silence. Si vous voulez vous taper une barre, allez dans le Discord adapté, moi je roule ici. Pas bien. Oh, je vais manger. Je vais manger. Ok, ça marche. Faut se méfier. Hein. Ah ouais, elle commence à être un peu bizarre. À partir de 12 litres. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, quand il reste à peu près 5 tours de carburant. Alors pour ta gouverne, je me suis permis un tour en 2-6. Ah bien. En suivant une Mercedes, un ou deux tours, je crois, en 2-6, mais après je tourne dans les 2-7. Sauf quand je vais laisser passer, je tourne en 9 ou 10, mais sinon, j'arrive à être à peu près dans les 2-7. Pardon, parce que je parle pas fort. Je regarde tes tours. Non, c'est bien. Ah ouais, j'ai fait un tour en 2-5-7. Ah bah oui, d'accord, t'as fait un 2-6-8, mais c'est bien. Même c'est constant, 2-7, 2-7, 2-7, 2-7, 2-7, 2-6, 2-6, 2-7. C'est bien. Pas de off-track, sauf que l'on prend pas. Ah si, du erratique, on va en prendre. Masse. Ouais. Ah bah là, on a les deux. Ah. Toi, tu passes en bas direct, quoi. Arrivé au bout déjà. Ouais. Ah, si j'avais pas eu le 4 cartes contact à cause de... C'est rien. Pardon, c'est ça.
Ouais, je te les ai montés. Faut qu'il y ait rien à voir, mais au Mans, les GTE auront des feux blancs, plus des feux jaunes. Très cool. Ils iront peut-être mieux, mais c'est pas grave. Bah, et à quand les chiffres comme en IMSA, quoi. Les positions. Méfie-toi vraiment parce que à la fin. J'en ai eu deux comme ça, les casse-moteurs juste devant moi. Mercedes ont l'air de casser facilement. Un moteur à l'avant, dès que tu le touches un peu. Les avantages, les inconvénients, la Mercedes c'est bien. Bah nous quoi qu'il arrive, si on joue avec l'outil après la BOP, si on continue comme ça en plus, pour info, on pourra diviser le dernier split en deux. Donc ça veut dire au lieu de faire 2 heures chacun, ça sera 1 heure chacun. Ouais bah là j'ai... J'ai mangé des oranges, la pizza, la pomme, beaucoup d'eau. Ouais, moi aussi. La flotte, un morceau de viande rouge, et une barre de céréales. Et depuis que je suis passé avec la lumière bleue derrière l'écran, ça me change tout. Ah, moi j'attends. Hein. Ah oui, ouais. Allez, encore 6 tours. Ouais, pas de soucis. De toute façon, au pire là on termine 8ème, le mec est dans le même tour. Hein. Ouais, c'est pas une pote. Oui non mais c'est ce que je veux dire pour l'instant. Pour l'instant. Chaque fois c'est avec des scies. J'entendais plus à un moment. Oui, parce que j'avais pris sans faire exprès. Ah, ok. C'est comme ça qu'au début, pour voler, tu l'avais pris.
je regarde les pneus quand je t'ai donné la voiture, j'avais que j'étais encore à 96% à l'avant. 74 à l'avant droit. Mais bon, prends pas de risque. Son seul là, le but c'est de la terminer. On avait fait 3 heures et là, c'est clair. Ah oui, oui, clairement. De Spa et Le Mans, c'est clair. On verra Le Mans si on prend un peu de temps. Ouais, on va voir ce que la proto dès que tu touches. Hein. Ouais. Il y aura des surprises. Ouais, t'as bien fait. Les relais, je parlais un peu dans le vent. Oui, oui, oui. Heureusement, parce que quand j'ai ragé, personne m'en rend. Ça m'a un peu dérangé les autres. Et derrière il y a marqué s'il te plaît Ludo freine. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. Alors ça sort des pits. C'est le 18ème. Ah non c'est le 3ème, j'ai rien dit. Donc te presse pas devant toi sur le 3ème. Hein. C'est pas pour ceux qui est derrière toi, c'est encore derrière. Okay, c'est le 5ème. Derrière toi le 5ème il est chaud patate pour rattraper. Ok. Next. Pas que j'oublie l'arrêt au stand, il passe 2 tours 9. Voilà, c'est pas encore. Ouais. Je stop au stop prochain. Tout est prêt, t'as pas besoin de te stresser pour ça. Là il est abîmé aussi hein. Ils vont te mettre la pression parce qu'ils vont se bagarrer, c'est le 4 et 5 derrière toi.
À la limite, vu que tu rentres à la fin de ce tour, laisse-les passer les deux. Hein, pour qu'ils se battent dans la montagne et que t'as pas de... Parce qu'ils vont te coller au fion. Je mets un peu avant mais tant pis. Oui moi aussi. Ah, t'as rien à craindre. Le mec derrière nous a un tour de retard. Ça remplit. Ok. Café. Non, je décris. On est très bien. Bon les gars. Yep. Si l'un de vous deux, j'en profite, j'étais au stand. Si l'un de vous deux veut faire un petit somme ou quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour. J'ai bouffé des oranges donc là. Alors le plein est fait. Tire-off est fait. Oh oui, le tire-off, je le vois, j'ai plus ce morceau de gomme sur le pare-brise. La fin du stint s'est bien passée. Allez, bientôt. C'était parti. Avant que t'as des réparations. Non. Une minute d'arrêt. Alors tu seras clink pour sortir, hein. C'est vraiment... Et le mec qui est derrière nous est seulement en haut de la montagne. Au début de la montagne. Le 7ème. Ah. Parce que je mettrai à jour, je crois que c'est les arrières. Il est 20h06 donc pile poil 1h. C'est 1h10 à peu près. Les 10 minutes 10 plus à plus. Peut-être 12h pour avoir gagné peut-être 1, voire 2 stop. Peut-être qu'à la fin on se cachait de lâche. Ah c'est possible. Je répète, et ça se passe très bien. Plus frayeur que mon début.
c'est exactement ça. Ah mais on est passé 7, il vient de se mettre à jour. Tracasser le 6ème va seulement rentrer dans la montagne dans quelques secondes. Allez, je ne tracasse de personne autour de moi. Non, mais c'est pour te pas te mettre de pression de vouloir aller plus vite. Regardez cette arme autour de moi, donc derrière, je vois qu'il n'y a personne, c'est le principal. Pardon, c'est parce que je me suis mis dans mon canapé.
dernier tour, tu l'as fait en 2.7-240. T'es un peu plus lent qu'avant. Je te donne la main, je reviens. Ok. Derrière toi, Max, pour info, c'est le 8ème qui revient, mais il a un tour de retard. Ouais, il va essayer de se Ouais, une voiture. Ok, je t'ai perdu totalement vocalement. Ouais. Il a traversé la piste sous mon nez, j'ai donné un coup de talon, je peux pas. Ah, je vais. Je savais pas s'il allait la retraverser, sinon je pouvais passer bien fond, mais hey, je ne suis pas contre Google, donc. T'as bien fait.
encore le VP5 pour les infos. Je te vois P6. P5 grâce au box. Okay. T'avais un leader, t'avais eu un problème. Ah, si je dis pas de bêtises, le cinquième a tapé. Il est au box et salement amoché. Ouais, on est voilà. Cinquième, c'est continu pour le spotter. J'ai dû laisser passer le gars qui était devant moi, derrière moi sur la piste. Enfin bref, il s'est dédoublé. Le mec derrière moi, c'est le septième. Rappelez-moi la pédale de droite, c'est bien l'accélérateur. Hein. Ah, j'ai l'air de couper l'eau, je suis désolé. T'es dans tes temps, le dernier coup était en 2-7. Donc. Attends la ligne droite, attends. Valider cette tournée qu'on a réussi. Je crois que...
Ouais les gars, vous prenez le coup. Je me déboule, je suis concentré. Attends, je crois que dans ta boîte t'étais agacé d'un truc. Ah non. J'ai plus mal compris. Entre deux, je t'entends parler, je me dis il a lu un truc sur Twitter ou. Ah non, j'ai un truc entre les dents. Ah, ça n'a rien à voir. Ok. Non, j'informe les gens sur Twitter. Ils sont très sympas eux. Chaque fois il est passé. C'est un français complexe. Info, on a tout rempli les conditions pour l'instant, niveau déroulé. On est dans les règles. Tout va bien. Ça va sortir en même temps que toi. Non, c'est mon arbre devant. Go Wayne, go 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 go. Non, le deuxième. T'as la Ferrari derrière toi et encore derrière. Oui, c'est ce que je dis. Je dis le quatrième, mais... Non, ok. C'est deuxième. Ah non mais faut qu'il mette un tour à chaque fois, se mettre à jour. Comment en vrai. Et il s'est sorti. Walton, je le sens pas du tout. L'importance des pneus. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'aurais pas fait le rapprochement en haut là. C'est vraiment pas bien de taper là. Ok. Okay.
pas pour toi, hein, c'est... Ouais, justement, évite. Ah. Le, deux, le troisième qui part en tête à queue, qui retape. Il a foutu tout le monde en l'air. À Skyline. Il a foutu trois voitures en l'air. Oh. C'est pire. C'est vraiment en Skyline pour l'instant, non. Ok, ils sont repartis. Ouais, je le suis. Ok, il descend la montagne. On peut jouer la quatrième position. Il a le volant à 90 degrés, la voiture fume. On est à tout ou dans le même tour ? On est dans le même tour. Si tout se passe bien, tu passes... on passe quatrième. C'est dommage pour lui de sortir des vieilles destins. Ah, tu parles de ceux qui sont tapés. Ouais, toujours. Vient de rentrer dans la montagne. Et on a un tour de retard. Tranquille.
derrière nous, ceux qui ont tapé et qu'on a doublé, le cinquième. Ils essaient de repartir à chaque fois, mais pour l'instant, la voiture est en réparation. Chaque fois, je vois les feux qui s'allument. Ils sont en train d'avoir un nouveau capot. Burgrip qui nous fait un keep pushing. Seulement d'entrer dans la boucle. Pas de pression. Quand il est en haut. Quand il commence à rentrer en haut. Quand ça monte. Non, non, c'est là où à gauche. Là où tu es. Oui. Ici. Là maintenant. Ouais. Ok. Pas monter dans la montagne. Donc on prendre la montagne. Si t'es à partir du droit. Ok, ok. Chaque fois qu'il me dit quelque part, j'y suis et je le vois pas. Voilà, le troisième est dans Falcon. Troisième est dans Falcon, ok, ça marche. Avec un tour d'avance. Voilà, c'est pour ça, pas de pression. Ils sont chauds de contre, ils sont en bagarre.
Putain, j'ai pas pris d'off-track. C'est un miracle. Il est resté 1 mm de gomme sur ma trajet. Je sais pas comment j'ai fait. Il est resté pas bon, je pense. Ferrari, il va en taper. Sur la gauche. Ça. Je suis de retour. Il y a du mal qui s'est passé. Hein. Attends. J'ai freiné à 80 mètres, qui t'a allumé, j'avais tellement peur qu'il monte devant. Oui, bonjour. Non, mais... Ça va ? Ah mais je dis, ça fait un petit moment que, qu'il a du mal à laisser passer. J'ai pas pu l'avoir avant la montagne. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans le bureau, c'est pour ça que je veux. Quelqu'un qui est venu dans le bureau. Du coup je suivais la course mais je pouvais pas parler. C'est les sixièmes. Ouais, on s'est expliqué tout à l'heure. Ah. On a un niveau similaire avec le garçon qui était dans la voiture. C'est la dernière puissance, je crois. Extrêmement précautionneux. Voilà. Thanks. Il a ralenti tout le monde derrière. Il les a laissés passer. La Ferrari Velocity, là, vraiment de la vitesse. Elle a vraiment du mal de dire, allez, je soulève 2 dixièmes de seconde pour te laisser passer. Ah, la jaune. Ouais.
Après il fait sa course, c'est à moi de le démerder à passer, hein. C'est pas une critique. Tout le monde devrait faire ce qu'il fait d'ailleurs. Parce que je suis en train de me dire, moi je fais ma course tranquille. Et pour les gens de la session, je suis une voiture de tête en fait. Je suis P4. Mmh. J'arrive pas à me dire, les gens vont avoir peur de moi quand j'arrive, tu vois. Ah bah ouais. Alors le croisé, c'est vraiment à 25 secondes, il a toujours un grand plus. Le cinquième, il passe la ligne d'arrivée. Ceux qui sont derrière, mais ils sont chauds, donc à mon avis... P3, il passe la ligne aussi. Et le, comme je disais, le cinquième, là, ils sont dans la ligne droite de l'autre côté, mais ils sont très 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 chauds. On risque de les voir avant la fin. Sorry about that. Okay. Troisième passé de l'arrivée.
très bien, t'es en 2-7-4 contre eux. Un caleçon propre. J'ai rien dit, j'ai vu que tu l'avais vu, donc je t'ai pas mis de pression en plus. C'est qui surtout? Qui est... Ah, c'est Almeida. Ah, merde. Non, Almeida est derrière, quoi. Alors, c'est qui? Je sais pas. On s'en fout. Pour les pneus, tu peux laisser passer à la maison. On se trouve en retard. Sans les pneus, c'est plus habitué. Ah, c'est chiant, ça va arriver. C'est pas ça, c'est pas chiant. Il est roulé. Go left, Fab. Thank you. T'as pas de stress à avoir, t'es en train de voler, donc c'est tout à fait normal. C'est déjà ton deuxième que t'as dans les pattes, donc pas de stress. Le troisième tourne en 2-6-208, tu tournes en 2-8-215 pour l'instant. La régulière c'est un peu ça. Ouais, ouais, même t'es en fin de relais. Tranquille.
être assurés, ceux qui sont en troisième position devant nous, ils sont à 3 sur la voiture et pas 2. Donc ils doivent jongler la voiture. Ils doivent partager la voiture à 3, donc ils doivent s'arrêter. Allez, encore 7 tours. Courage. Ça se passe. Thank you. Tu peux prendre le relais s'il te plaît, tant que je me prépare. Ouais. Merci. À tantôt.
grenade is pitting now. Ok, je suis là. Ah. Tout est fait, tout est fait. Pour info, fais attention, tu approches des 12 litres fatidiques. Des quoi? Des 12 litres fatidiques, donc elle va glisser. Ah, ok. C'est un truc particulier. Pas d'inquiétude sur les marbles, ils sont effacés automatiquement, j'ai regardé. T'es prêt pour les pits. 2, 6, 8, allez, c'est parti. Pas d'excès dans le dernier, tranquillou. Il n'y en a plus qu'un tour de retard sur le tour de devant. D'info, le 2 et le 3 sont en bagarre. Box là, tout est prêt. N'oublie pas le pit limiter, truc tout con. Je rentre.
Allez, hein, tu nous fais la même, pareil. Allez, nickel ouais. À conduire. Pensez tout doucement à réfléchir pour les derniers relais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Bon, j'ai 20 secondes de réparation. Ah non, même pas. J'ai rien dit. Putain, l'essence, ça se remplit vite. Ok, il remplace mes pneus. Ouais, pensez tout doucement à savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait 1 et 1, enfin une heure chacun, et que... Fin... Pense tout doucement à réfléchir à ça. Si tu veux, je fais les deux prochaines heures et tu fais l'arrivée. Comme tu veux, moi ça me dérange pas. Mais je sais que je vais envoyer des watts pour la fin. Bah ouais, tu veux faire l'arrivée? J'aimerais bien. Ah bah on fait comme ça alors. Ça marche. C'est parti. Alors juste quand je sors, si c'est possible de me dire le mec devant nous et le mec derrière nous, où ils sont. Ok, je te fais ça. S'il te plaît. La sortie de la pitlane sera clear. Ah, je suis déjà sorti, hein. Oh putain, merde. Oh, mais quel jeu de merde. Pardon. J'ai vu que j'avais le deuxième derrière moi, donc ça c'est bon. Alors... On a 3 tours d'avance sur le suivant. Ok, ça c'est bon. 2 tours, il est à 3 tours du leader. Et on est à 1 tour de la voiture qui est 3ème.